Alors, une petite vidéo pour expliquer le fonctionnement du site. Alors, tout d'abord un peu de vocabulaire. Ici, nous avons l'interface du site, c'est ce sur quoi nous tombons lorsque nous nous connectons. Donc, on nomme ça le back-office. Et ce qu'on appelle le front-office, c'est-à-dire le site en lui-même que l'utilisateur va utiliser. Alors, on va commencer par la chose la plus compliquée, à savoir les différents menus qui sont situés ici sur la gauche. Alors, comment faire pour gérer ces menus? Du côté du back-office, ça se situe dans Configuration, Menu dynamique. On retrouve ici les rubriques principales que sont Services municipaux, Vie pratique, Vie économique et Je participe. On va voir à quoi ça correspond exactement. Donc, quand je clique sur Services municipaux, alors je tombe sur tout un tas d'objets de différents types qui principalement correspondent aux sous-rubriques ici. On retrouve conseil municipal, salle municipale, bibliothèque, qu'on retrouve ici, conseil, salle, bibliothèque, etc. Alors à noter que tout n'apparaît pas. Ce qui va apparaître, ce sont uniquement les objets qui sont actifs. Donc certains sont inactifs. Donc les inactifs, ce sont soit ceux dont je n'avais pas besoin et que je ne peux pas supprimer, soit ceux de l'ancienne municipalité que j'ai laissé par courtoisie. Alors, ces objets sont de deux types. On a les objets modules et les objets rubriques. Les rubriques, ce sont des sous-rubriques qu'on a créées, tout simplement. Les objets modules, eux, ce sont des sous-rubriques existantes déjà, fournies par le programme, et qu'on ne peut pas réellement modifier. Tout ce qu'on peut faire, c'est modifier l'emplacement dans les menus, mais le contenu, la façon dont c'est rédigé, c'est fixe. Alors, on verra après comment ça fonctionne. Je vais par exemple ici le conseil municipal, je ne veux pas qu'il soit dans services municipaux, je veux le retrouver dans par exemple vie pratique. Donc je vais simplement cliquer sur modifier la rubrique et puis je vais simplement changer ici la rubrique principale qui lui est associée, voire le mettre dans une sous-rubrique si c'est nécessaire. Je vérifie qu'il est actif, j'enregistre. Voilà. Donc on retrouve maintenant non plus le conseil municipal ici dans les services municipaux, mais dans la vie pratique, il est ici en bas. Donc je vais corriger, je vais le remettre dans mes services municipaux. Voilà, j'enregistre. On le retrouve cette fois-ci en dernière position. Donc je veux le remettre à sa place, à sa position première, c'est-à-dire en tête. Et donc c'est pas très compliqué, il suffit de prendre le petit disque blanc et de le monter ici tout en haut, sans oublier à la fin d'enregistrer l'ordre. Voilà. Donc on retrouve le conseil municipal ici. Alors tout ce qui est noir ici sont les modules hein, que je ne peux pas modifier. Et tout ce qui est ici en rouge est ce qu'on a créé pour faire l'arborescence du site. Sachant que par exemple le démarche en ligne, il existe comme module, mais il est inactif, donc il n'apparaîtra pas sur le front office. Alors comment créer ses propres rubriques? Il est bon de savoir que déjà, on a le droit à 5 rubriques principales et qu'on ne peut pas en créer d'autres. Tout ce qu'on peut faire, c'est modifier l'intitulé. On peut noter ici d'ailleurs qu'ici, on a une rubrique tourisme et qu'elle n'est pas ici dans le menu de gauche. Alors, tout simplement parce que la rubrique tourisme, quand je clique dessus, eh bien, elle est vide. Il n'y a aucun contenu, aucune rubrique, aucun module, rien du tout. Donc, le site la retire automatiquement de la publication. Donc ce que je vais faire, c'est je vais prendre la rubrique tourisme, la dernière rubrique accessible, et je vais modifier son intitulé. Je n'ai pas le choix d'ailleurs dans ce que j'ai modifié, je n'ai le choix que parmi un panel de dénominations fournies par le site. Je vais prendre par exemple tourisme et loisirs, voilà, ça ne change pas beaucoup. Et à l'intérieur de tourisme et loisirs, je vais créer une sous-rubrique. Donc je vais faire ajouter une rubrique, je suis bien dans Tourisme et Loisirs, et je vais l'appeler test de sous-rubrique. Je vais la rendre active, c'est important. J'enregistre. Donc maintenant, à présent, j'ai ici une sous-rubrique sur le front office. Quand j'actualise, voilà. Alors là maintenant, ça apparaît effectivement avec la sous-rubrique ici. Quand je clique sur la sous-rubrique, pour l'instant, il n'y a aucun document associé. Alors maintenant, comment créer du contenu pour ma sous-rubrique?
Ici, on se rend compte que c'est vide. Je n'ai pas de contenu, je n'ai pas de module. Et je n'ai pas non plus de sous-rubrique à cette sous-rubrique. Pour créer du contenu, en fait, ça va se passer non pas dans le menu dynamique, mais dans les services contenu. Voilà. Ici, on retrouve absolument toutes les pages qui sont actuellement sur le site. Je vais ajouter un contenu. Et je vais choisir sa rubrique principale. Ici, tourisme et loisirs. Et ma sous-rubrique. Bah, elle est unique, hein. C'était test de sous-rubrique. Je vais mettre un titre. Test de contenu. Je vais écrire mon texte. Bla, bla, bla. Et ici, donc, on a beaucoup de possibilités de mise en forme, des tableaux, de la couleur, etc. Bon, ça, je vous laisse découvrir. On peut insérer une image aussi. Donc, je clique ici. Alors, un peu compliqué ici. Le plus simple étant de cliquer sur naviguer. Et là, il va nous permettre d'aller choisir une image qui a déjà été déposée sur le site. Donc ici, on retrouve les différents dossiers qui ont été créés. Donc je prends par exemple le 11 novembre. Et donc on retrouve les images du 11 novembre. J'en prends une au hasard hein, pour faire un test. Voilà. Et j'insère. J'accepte. Voilà. Je vais afficher le titre et je vais le rendre actif. J'enregistre. Et à présent, dans ma sous-rubrique, j'ai bien le document avec la photo. Je vais aller rechercher mon contenu. Alors, ils sont classés par ordre alphabétique. Donc, test de contenu, il est ici. Je vais le modifier. Et je vais plutôt faire un diaporama. Alors, pour faire un diaporama, c'est pas très compliqué. On va utiliser ici, sur la droite, un module pour accompagner mon document de pièce jointe. Je peux faire accompagner mon document d'un document PDF ou de photo. Donc je clique sur sélectionner des photos. Alors on n'a pas tout à fait la même interface que tout à l'heure parce que maintenant on peut ajouter ses propres photos à partir de son ordinateur, ici. Donc je vais choisir une photo. Je parcours. J'en prends une ici. On peut en mettre plusieurs. Hein. Une autre, voilà. Voilà, on en met 3, 3 par 3. J'enregistre. Il me demande à présent de les nommer. Donc, je vais les appeler test 1 et test 2. J'enregistre. Voilà. Et donc, à présent, on va les retrouver ici. Test 1 et test 2. Je les clique, je sélectionne. Si je fais une erreur, je l'efface, je la remets, bref. Et je valide. On les retrouve ici. On pourrait aussi accompagner, je l'ai dit tout à l'heure, d'un PDF. Et tout est actif. J'enregistre. Et maintenant, mon document va donner ça. Donc, je vais supprimer la grande photo. Et on a un diaporama ici. On clique dessus. Et on peut voyager d'une photo à l'autre. Alors, tout à l'heure, on a parlé des dans le menu dynamique des modules conseil municipal, par exemple. Alors, on va le retrouver dans les services conseil municipal. C'est ici qu'on va pouvoir modifier le contenu. Alors, vous voyez, tout est fait. On retrouve pas tout à fait la même interface. Hein. On va pouvoir classer le maire, les adjoints, les conseillers. Donc, si je veux modifier le maire, je clique sur modifier. Alors le titre, bon, on complète bêtement, on met une photo, etc. On est très très guidé et on enregistre. On a la même problématique pour tous les autres modules. Par exemple les salles municipales, la gestion des salles. Donc voilà, donc ici on récupère les informations, on va pouvoir modifier la description, les tarifs, les informations éventuelles, etc. Voilà, avec les photos ici de la salle, les documents, les conventions qu'on peut modifier. Donc ça, par contre, il faudra aller voir tout ce qui est possible. Je ne rentre pas dans le détail, je reste assez vague. Intéressant aussi les actualités pour mettre une actualité en une. Donc cette fois-ci, c'est dans l'onglet Information, Actualité. Donc là, on a toutes les actualités ici. En fait, on les retrouve en première page, l'actualité principale et au fur et à mesure, bon, ben, vous voyez.
les dernières actualités, les autres actualités. Il y a un décalage qui s'effectue correspondant à l'ordre chronologique de mise en ligne. Je vais créer une nouvelle actualité, donc j'ajoute. Je vais choisir une catégorie. Là, encore une fois, on est guidé, on ne peut pas faire ce que l'on veut. Donc, jeunesse et sport, par exemple. Test d'actualité. Je mets un résumé si nécessaire, mais ce n'est pas une obligation. Je mets le texte. Ceci est un test. Je vais mettre une photo. Alors, bon, j'en prends une qui existe déjà sur le site. Voilà. Je valide, sinon j'en aurais mis une nouvelle. Hein. On a le choix aussi ici. La commune, elle est obligatoire, ni en Cambrésis. Et alors, le statut, je la rends active et je vais la mettre à la une. À la une, c'est-à-dire qu'elle va apparaître en très grand, beaucoup plus grand que les autres. Le type de une, panoramique, vignette, blog, bon, on va choisir panoramique. J'enregistre et je regarde ce que ça fait sur le site à présent. On a une nouvelle actualité. Non, la dernière actualité étant ici reléguée en petite vignette. Alors si je veux supprimer à présent cette actualité, pas très compliqué, voilà, je suis là, je fais supprimer. Oui, je suis sûr. Et on va regarder ce qui se passe sur le site. Voilà, alors on récupère une photo. Parce que en fait, le fait d'avoir mis une actualité à la une et de l'avoir retirée, plus aucune des anciennes actualités n'est à la une. Donc il bouche le trou par une photo quelconque sur le site. Donc on va en rechoisir une, on va reprendre la dernière, je crois que c'était le 11 novembre, je vais modifier. Et donc ici, je vais la remettre à la une. Voilà. Et j'enregistre. Voilà. Et donc cette fois-ci, elle est revenue à la une. Donc maintenant, si je veux annuler tout ce que j'ai fait, hein, j'ai supprimé tourisme et test de sous-rubrique. Je vais donc me placer dans configuration menu dynamique. Je vais aller rechercher tourisme et loisirs. Le test de sous-rubrique, je vais faire modifier. Et alors, comment fait-on pour supprimer? C'est une bonne. Je vais la rendre inactive d'abord. Voilà. Ah oui, je dois cliquer sur tourisme et loisirs. Et voilà. Alors là, je ne vois plus comment faire pour supprimer. Oui, c'est parce que justement il y a un document et donc je pense que je n'ai pas la possibilité de supprimer la rubrique si il y a un document dedans. Donc je vais aller voir le contenu. Il y a test de contenu que je n'ai pas supprimé, donc je vais le supprimer. Voilà. Ça c'est fait. Et maintenant, j'espère que ça va fonctionner. Et donc maintenant, je peux la supprimer. Hein. Tant qu'il y a un contenu associé à la sous-rubrique, je ne peux pas la supprimer. Je supprime, je suis sûr. Voilà. Donc, vous voyez bien que sur le site, je ne peux pas supprimer cette rubrique. Elle existe toujours hein, parmi les 5 rubriques principales, mais elle n'apparaîtra pas. Elle n'apparaît plus sur le front office parce que, il n'y a pas de contenu. Voilà. Une dernière chose, comment gérer tout ce qui est documents, photos et délibération des conseils municipal. Alors, les photos et les documents, on les trouve dans les outils, albums photos, documents, éventuellement vidéos. Donc les albums photos, on clique dessus, on retrouve toutes les photos mises en ligne sur le site. Les albums, ce sont simplement des sortes de dossiers dans lesquels on va ranger les photos. Hein. Là, elles sont en vrac, ce serait bien de les ranger d'ailleurs. Et donc, si on veut supprimer, on clique ici, supprimer. Si on veut modifier le nom, l'éditer, on n'a qu'à simplement choisir la bonne option. Voilà. On peut créer un album, donc un sous-dossier, ajouter des photos directement via cette interface, etc. Les documents, c'est la même chose. Voilà, on récupère les comptes rendus des conseils municipaux avec des dossiers, etc. Comment maintenant mettre en ligne ou supprimer les délibérations de conseil? C'est un module.
Donc les modules, on va les trouver dans les services. Voilà, compte rendu, ici. Et voilà, compte rendu du 19 février 2015. Je peux ajouter un compte rendu, donc je vais cliquer ici. Je mets le titre, donc compte rendu, test de compte rendu. Je vais écrire test de compte rendu. Voilà. Je peux décrire si je veux, mettre une date. Donc ça c'est obligatoire la date. 29/05/2015. Alors c'est 15. Je vais le rendre actif et je vais choisir surtout le document à mettre en ligne. Donc soit un que j'ai déjà téléchargé, soit un que je vais chercher sur mon ordinateur lorsque j'ai un document quelconque. Bon, non, aussi voilà, tiens, celui-là qui n'a rien à voir. Ok, j'enregistre. Alors je mets un titre, test. Voilà, donc le test est ici, je le sélectionne et je valide. J'enregistre à la fin. Et sur le front office, délibération du conseil, voilà. Donc on a compte rendu et on a conseils municipaux. Alors 2014, ça c'est un dossier que j'avais créé pour mettre les anciens. Les nouveaux sont ici, on clique et voilà, on a l'ordre du jour. Voilà, on retrouve un tableau formaté avec le document ici. Ça n'a rien à voir, mais c'est ça l'idée. Je vais supprimer toutes mes bêtises. Donc dans les outils, je vais d'abord supprimer les photos. Justement, j'en profitais, hein, les trois photos qui sont ici. Celle-ci, celle-ci et celle-ci. Je vais les supprimer. Je confirme. Voilà. Et mes documents. Donc je vais un document test ici. Même chose. Alors je peux supprimer directement en cliquant sur le petit panneau. Je confirme. Voilà, donc en gros comment ça fonctionne. Si après il y a des questions, bah, faut pas hésiter à me contacter, hein, je réexpliquerai et je répondrai aux problèmes éventuellement. Voilà.